Salut à toutes et à tous, c'est Christopho et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux en 2D avec Solarus Quest Editor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des personnages. Donc, des personnages avec lesquels le joueur va interagir. Qu'on appelle des personnages non-joueurs. Non-playing character. Ah, mais pourquoi c'est l'éditeur en anglais? Attendez, hop. Alors, je vais faire une petite map. NPC. Non-playing characters. Donc, c'est pas des PNJ au sens RPG, si vous voulez. Pas forcément, en tout cas. Dans le sens où, dans les RPG, vous avez plusieurs joueurs, souvent, qui font partie de votre équipe. Et puis, vous pouvez changer de joueur à un certain moment. Là, c'est juste des personnages en général avec qui vous pouvez parler. Des villageois, par exemple. Alors, je vais juste copier n'importe quelle map, comme toujours. Voilà, on va faire une maison. Avec un sol de maison. Soyons perfectionnistes. Ok. Donc, je démarre sur la map NPC. Ok. Et ok, donc, pas pour créer un NPC. Vous cliquez ici, ajouter un personnage non joueur. Et puis ensuite, vous pouvez choisir son sprite. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont disponibles de Link to the Past ici. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. Et vous avez alors deux types de NPC, deux types de PNJ. Que j'appelle PNJ normal, c'est une personne quoi. Et les PNJ généralisés, si vous voulez, c'est un objet qui se comporte de la même façon que un personnage avec qui on pourrait interagir. Donc vous pouvez utiliser un PNJ généralisé pour faire quelque chose du genre une pancarte. Parce que finalement, une pancarte, c'est un petit peu comme un personnage à qui vous pourriez parler. La principale différence entre les deux, c'est que si vous mettez PNJ normal, donc quelqu'un, ça, le moteur va donner certains comportements automatiques que vous n'aurez pas besoin de scripter, si c'est ce qui vous convient. D'accord. Et ensuite, vous pouvez choisir une action qui va se produire lorsque le joueur interagit avec le PNJ. Donc, on peut par exemple décider d'afficher un dialogue ou décider d'appeler du Lua de deux façons, map ou item. Mais on va commencer par juste afficher un dialogue. Donc on va appeler ce dialogue tuto 18 puisque nous sommes dans le chapitre 18. Hello. Okay, et puis en fait je vais copier ça. Ok. Donc j'ai mon sprite qui apparaît. Et puis dans le fichier de dialogue, je vais donc créer ce dialogue. Tuto18.hello. Et puis on va dire que elle a besoin de vous pour retrouver son chat. Donc au secours, au secours. Mon chat a disparu. Ok, j'enregistre. Et c'est tout. Donc là, j'ai rien codé du tout en Lua. J'ai juste utilisé l'éditeur. Au secours, mon chat a disparu. Donc ça fonctionne. Et alors si je... Donc là, automatiquement, elle se tourne vers moi quand je lui parle. Et pour lui parler, j'ai oublié de préciser, si vous vous en souvenez plus, c'est la touche action qui est par défaut espace. Alors pourquoi elle se tourne vers moi par défaut? Parce que
C'est un PNJ de type normal quelqu'un. Donc, je disais, il y a des comportements automatiques faits par le moteur. Si vous mettez généralisé, là, il y a vraiment rien qui se produit de spécial. Et d'ailleurs, vous ne pouvez l'interagir avec le PNJ généralisé que dans la direction qui est marquée ici. Sachant qu'il y a une direction spéciale qui est toute pour autoriser depuis les quatre directions. Mais on fera un autre tuto sur les PNJ généralisés. On va se contenter des PNJ normaux pour l'instant. Et on va essayer de faire un dialogue un tout petit peu plus complexe. En fait, disons que le dialogue après il continue. Voilà, Tito 18. Hello, mon chat a disparu. Alors, est-ce que peux-tu m'aider à le retrouver? Donc, comme la boîte de dialogue fait 4 lignes, j'ai laissé une ligne vide. Celle-ci, et après je pose la question dans la boîte de dialogue suivante. Et ensuite, on va dire oui ou non avec un curseur. Donc, on a vu dans un tuto précédent, qui devait être celui sur la sauvegarde, que la boîte de dialogue de Link to the Past supporte un curseur avec cette syntaxe particulière. Vous mettez $ point d'interrogation aux endroits où vous voulez qu'un curseur soit disponible. Oui, non. Et après, alors si on veut tenir compte de la réponse, et pour faire des actions différentes, là il va falloir par contre faire appel au Lua. On peut pas le faire. C'est un comportement un peu plus complexe que juste afficher un dialogue. Donc en fait, on va changer d'action, on va dire appeler le script de la map. Alors on va ouvrir le script de la map. Voilà. On va pas avoir besoin des événements par défaut. On va avoir besoin d'un événement, alors non pas sur la map, mais sur le PNJ. Donc, PNJ est une entité comme une autre. Vous vous rappelez, tout ce qui est présent sur une map, ça s'appelle des entités, aussi bien les tiles que toutes les entités de tous les autres types, donc les types dynamiques là-haut, et le héros aussi. Donc, ça c'est une entité de type PNJ, et on va lui donner un nom. On va l'appeler par exemple villager, villageoise. Et lui donner un nom, ça permet de la retrouver depuis le code. Parce qu'en fait, on a automatiquement, elle devient disponible avec une variable qui porte justement ce nom. En fait, villager, c'est votre PNJ. Et elle a un événement. Donc, alors là, il vaut mieux aller voir la doc. Si vous allez voir la doc de Map Overview, ici, on vous explique. Il y a beaucoup d'explications. Où est-ce que c'est? Il y a un endroit où. Oh, c'est dans Map Entities plutôt. On vous explique que depuis le script d'une map, on peut accéder à une entité en mettant son nom directement. Si ça doit être là quand même. Map Files. Oui, là il y a un exemple où on le fait, on accède à une entité là. Là aussi. Ouais, c'est cette remarque. Bon, je vous conseille de toute façon de lire tout ça. Mais nous en l'occurrence, alors vous allez dans Map Entities. Et puis alors on a tous les types d'entités, vraiment tous. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est Non-Playing Character. Et vous voyez qu'il y a des événements, et en particulier On Interaction. C'est appelé lorsque le joueur parle au NPC, au PNJ,
à condition d'avoir coché appeler le script. Donc villager on interaction. Et puis par exemple, vous pouvez jouer un son. On va commencer par jouer un son. Par exemple celui-ci, n'importe. Je m'approche, j'appuie sur espace. Voilà, j'ai entendu le son. Alors au lieu de faire ça, on va, comme vous en doutez, afficher un dialogue avec la fonction GameStartDialogue qu'on a déjà vu dans des tutos précédents. Donc si vous voulez aller, si vous vous souvenez plus, vous pouvez aller voir la documentation, mais c'est assez direct. Vous donnez en paramètre l'ID du dialogue que vous voulez appeler. Entre guillemets. Voilà. Et donc maintenant que j'ai écrit ça, en fait, c'est totalement équivalent à ce qu'on avait fait au début de cette vidéo. C'est-à-dire que quand on n'appelle pas le script mais qu'on fait afficher un dialogue et ici le nom du dialogue, ça fait exactement l'équivalent de ce petit code-là. Et donc, nous on voulait le faire en Lua parce que on veut tenir compte de la réponse. Donc la fonction startDialogue, vous vous souvenez peut-être qu'elle prend un deuxième paramètre optionnel qui est une fonction, une valeur de type fonction, qui sera appelée lorsque le dialogue se termine. Et en paramètre, on vous donne la réponse, donc le choix du joueur, la ligne sur laquelle se trouvait le curseur. Donc si answer égale, disons, 1, alors on va afficher un autre dialogue. Non, c'est 1, c'est la première ligne. Ça c'est 1, ça c'est 2, c'est 3. Donc la réponse ça peut être que 2 ou 3. On va commencer par 3 en fait. Avec un petit commentaire, no. Start dialogue. On va dire qu'elle est triste. Donc je vais créer un autre dialogue. Et elle va pleurer. Voilà. Avec 3 points d'exclamation. Et sinon, bon, normalement, il n'y a pas d'autre possibilité que oui ou non. Donc on pourrait juste dire comme ça plutôt. Start dialogue. Thanks. Et là, elle va dire oh, c'est trop gentil. Accepte ce petit cadeau en remerciement. Même si on n'a pas encore retrouvé le chat. On va pas coder le chat dans cet épisode, c'est juste un exemple de dialogue. Et donc mon idée c'est que à la fin de ce dialogue-ci, elle donne un petit cadeau qui est un cœur. Sauf que j'ai pas les cœurs. Si, j'ai les cœurs. Et cette fois-ci, ce dialogue-là, lui, n'a plus de curseur avec une question. Donc il n'y a pas besoin de récupérer un paramètre réponse. Mais on va faire Hero Start Treasure pour donner un trésor au joueur. Et le trésor, ça va être un cœur. Ok. On va voir si ça fonctionne. Mon chat a disparu, il peut être bien retrouvé. Alors on va d'abord dire non. Elle pleure, ok. Et si je dis oui, oh, c'est trop gentil, accepte ce petit cadeau en remerciement. Ok. Et donc on a eu une belle erreur, je m'y attendais. Treasure.art.1.
Parce que dans le tuto sur les trésors, je vous ai expliqué que dès que vous avez un item, un objet d'équipement, il faut qu'il ait deux choses, un sprite, mais aussi un dialogue avec cette syntaxe-là. Et il se trouve que je l'avais pas fait pour les cœurs, avec comme prétexte que non, il n'y a pas. D'habitude, les cœurs, on fait que les ramasser, donc on les brandit pas comme des trésors. Sauf que si c'est. Sauf que quand vous appelez la fonction start treasure, on brandit le trésor, comme si c'était dans un coffre. Donc, si jamais dans votre jeu vous voulez faire ça, ou alors mettre un cœur dans un coffre, il vous faut le dialogue. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une belle erreur qui s'affiche et vous pouvez comprendre pourquoi ça marche pas bien et rectifier. Donc, bon, bah, on va dire juste truc. Tu as trouvé un cœur! Un cœur. Je suis pas sûr que le E dans l'eau marche avec la police de Link to the Past. Ok, cette fois ça marche. Le sprite du cœur, lui, marche. Il faut avoir un sprite, rappelez-vous, dans Entity slash le sprite items, avec une animation qui s'appelle, bah, qui a le même nom que votre item, non, heart. Bon, retournez voir le tuto sur les trésors pour avoir plus de détails sur ça. D'ailleurs, dans le tuto sur les trésors, je vous expliquais qu'on peut donner des trésors ramassables, des trésors dans des buissons, dans des coffres, et qu'il y a encore quelques autres moyens. Et donc voilà, l'un des moyens, c'est par du code, en faisant comme ça. Et cette variable hero, on l'a pas déclarée, mais en fait, c'est comme cette variable villager. Elle est créée automatiquement parce que lui s'appelle villager. Et même chose pour votre personnage principal, le héros, il s'appelle automatiquement hero. Donc on peut y accéder. Ça fonctionne dans tous les scripts de map d'appeler cette déclaration implicite des variables, des entités. Ça fonctionne pas depuis les autres scripts comme depuis main.lua, là vous pouvez pas. Ou Game Manager, vous pouvez pas. Mais à la place, vous pouvez faire map getEntity et le nom de l'entité. Ou map get hero d'ailleurs. Enfin bon, il y a plein de moyens. Encore une fois, allez voir les exemples dans la doc. Donc il y a ça. Et puis la dernière petite chose que je voudrais faire, c'est sauvegarder ce trésor. Pour que la fois suivante. En fait, je vais d'abord écrire le dialogue pour que vous compreniez. Je vais écrire un quatrième dialogue. Done. As-tu retrouvé mon chat? Et donc l'idée c'est que si on a déjà fait cette discussion et dit oui, il va falloir retenir l'info d'une façon ou d'une autre pour ne plus redemander à chaque fois, mais à la place dire ça. Donc juste copier-coller. Donc si, alors on va voir ce qu'on met là. Then, à nouveau, game start dialogue. Donc grâce à ça, maintenant vous allez pouvoir faire des chaînes d'échange avec des personnages non joueurs. C'est pas N, c'est Else. Il faut tout réindenter. Il n'y a pas encore d'indentation automatique dans l'éditeur, c'est quelque chose qui manque. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce tuto. Et donc l'idée, c'est de sauvegarder. Une variable avec la fonction setValue. GetQuestStarted par exemple. Non, c'est pas un, je peux pas mettre deux points là. Faut que ce soit un nom de variable valide. Donc il peut pas y avoir deux points. Et la valeur, vous mettez, ça peut être un booléen, un nombre ou une chaîne de caractères, donc game set value. Voilà, game set value. Et donc il y a
le pendant de cette fonction, c'est gameGetValue. Donc l'idée, c'est que if gameGetValue de ceci, alors hop. Oups. Donc oui. Voilà, et après, les fois d'après, elle dit as-tu retrouvé mon chat? Et si je sauvegarde et que je quitte, elle va à nouveau dire as-tu retrouvé mon chat? Donc voilà un exemple de personnage non joueur avec un dialogue un petit peu interactif et un petit peu évolué. Et alors en fait on peut écrire tout ça en une seule ligne. Parce que les trésors, par exemple quand vous mettez un trésor dans un coffre, vous pouvez toujours le sauvegarder ou non. Pareil si c'est un trésor ramassable. Pareil si c'est un trésor dans un buisson ou droppé par un ennemi. Et donc pareil en fait depuis le code, cette fonction startTreasure en réalité prend trois paramètres. Les deux derniers sont optionnels. Hero start whisky treasure. Voilà, il prend un item. Tiens, la doc elle dit item ici et name là, c'est un petit bug de doc. Item variant save game variable et même callback, quatrième paramètre que j'avais oublié. Mais donc on, en fait voilà, on donne un cœur en variante 1. Il n'y a qu'une seule sorte de cœur dans le jeu de toute manière. La variante, c'est pour les objets comme les gants de puissance, il peut y en avoir plusieurs niveaux, ou les épées. Et donc, le troisième paramètre, c'est la variable de sauvegarde qui stocke l'état de ce trésor. Donc, ça va être automatiquement un booléen. Donc, c'est-à-dire que si on écrit ça, ça va automatiquement faire l'équivalent de ce qu'on avait écrit ici. Donc, je peux enlever cette ligne. Alors comme j'avais déjà sauvegardé, je suppose que pour retester, il faut que je supprime ma sauvegarde. Voilà qui est fait. Donc si bon, je dis oui. As-tu retrouvé mon chat? Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Start treasure prend... C'est vraiment les trois mêmes paramètres que les trois valeurs qu'on a dans l'interface graphique quand on crée un trésor. L'item, la variante et la variable de sauvegarde si on veut le sauvegarder. Ok. Et y a même le quatrième paramètre, callback. C'est dans, de la même façon que startDialogue. Vous pouvez encore une fois passer une fonction si vous voulez. Et dans cette fonction, pourquoi ne pas afficher encore un dialogue qui dit bonne chance. D'ailleurs, pourquoi on tape pas directement les dialogues depuis le code Lua? C'est pour faciliter la traduction. Donne juste un identifiant ici et après selon la langue courante, ça ira chercher le bon. Bonne chance. Ah, bonne chance, voilà. Donc j'ai trouvé un cœur et après ça affiche bonne chance. Voilà, donc le dialogue j'ai trouvé un cœur. Lui, on le démarre pas depuis ici. En fait, on démarre la séquence de trésors qui, elle, va afficher ce dialogue-là. Donc tout s'enchaîne. Et une fois que la séquence de brandir le trésor se termine, c'est cette fonction-là qui est appelée. Donc il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça dans Solarus. Vous pouvez enchaîner les fonctions... des fonctions dans des fonctions, un peu comme ça.
Ok. J'espère que vous avez appris plein de choses. Ouais, maintenant vous savez faire déjà toutes sortes de. Vous allez pouvoir faire toutes sortes de quêtes annexes avec les personnages de cette façon-là. Notamment des chaînes d'échange. Ou ce genre de choses. Ok. Eh ben, merci de liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut!